Vous n'avez pas 50 manières d'avoir une extension de bassin efficace. Parce que vous aurez toujours que deux jambes, un bassin et une colonne vertébrale. Et deux hanches. Mettez vos mains sur vos hanches, serrez vos omoplates et penchez le buste en avant en gardant les omoplates serrées. Est-ce que tout le monde ressent une tension dans ses ischio-jambiers? Maintenant, vous restez là, vous descendez, vous mettez dans votre position de départ, vous serrez bien, vous tendez les fesses en arrière et vous tirez vos ischios. La tension dans les ischios, elle augmente. Vous êtes en train de faire un truc qu'on appelle load pour ensuite explode. Je suis en train de mettre de la tension dans un muscle que je vais relâcher d'un coup. But du jeu, partir de ma position de départ et ne pas avoir de modification de mon buste jusqu'au point de puissance. Pendant toute cette phase, j'aurai emmagasiné de l'énergie dans mes ischios. Comment est coaché l'haltéro par certains actuellement? Je passe les genoux, j'avance les genoux, j'en dresse mon buste. Expliquez-moi quels muscles sont engagés pour exploser. Donc ça nous amène à deux points. Regardez déjà la différence d'engagement des ischios quand vous allez placer votre poids de corps sur vos orteils. Revenez sur les talons. Faites un peu un voyage. Orteil, talon. Vous avez vu la différence de souffrance des ischio-jambiers. Cette différence de souffrance des ischio-jambiers, c'est la différence d'engagement des ischio-jambiers. Vous pouvez pas pousser dans vos talons, sinon vous n'avez pas le maximum de recrutement de vos ischios. Et personne ne fait ça au niveau. Votre but, c'est d'être en avant et de stay over the bar le plus longtemps possible. Donc c'est pas possible de partir soit droit. Vous vous retrouvez là où vous n'avez pas d'extension de hanche. Ou alors d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils poussent dans les talons, donc leur poids de corps est sur l'arrière, c'est complètement teubé. Et le next level du teubé, c'est passer les genoux, réengage. Donc votre recherche ultime à partir de maintenant, c'est de chercher à avoir un buste en avant, un poids de corps sur les orteils, et à ne pas avoir de modification de l'angle du buste jusqu'au pocket.